Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du moins une vidéo assez rapide. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'était pour vous parler un peu de la communauté. Alors par contre, je m'en excuse, je suis pas actif depuis au moins 3 jours, hein. Je sais, je fais pas beaucoup de live. En ce moment, je suis pas trop motivé, hein. J'en ferai peut-être du Minecraft, hein, si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Voilà, si je fais cette vidéo, si je fais pas beaucoup de vidéos sur ce jeu, c'est que je rage beaucoup. Même là, je voulais vous sortir et vous montrer, mais bon, ça m'intéresse pas de vous montrer comment ça joue, parce que voilà, si je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que je rage beaucoup. Et malheureusement, au moment que je fais la vidéo, je risque de péter les plombs. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Plus ça va, plus c'est de pire en pire. Que vous voyez, bah, par exemple, les mods, on va faire un exemple, bah, 20 contre 20, les maps sont forcément logique plus grand et les mecs ils campent carrément dans leur spawn, mais là c'est plus possible. Alors les mecs qui campent à l'angé, je sais que t'as des défis à faire avec le snipe à l'angé, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais enfin là ça vient de maladie. Tu campes carrément dans ton spawn, tu peux très bien rester à l'angé dans notre ailleurs, mais nous on aurait des comptes, les chiffres ils étaient même 10 rats de camper dans leur spawn. Non, c'est pas. C'est quoi ce problème? Ou sinon, c'est quand c'était pas ça, ils étaient carrément tout à droite de leur map, mais ils étaient carrément accroupis. Ils étaient 10 être accroupis. Il n'y a que mes alliés qui rushaient. C'est ça le pire. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus mes alliés rushent. Il n'y a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'alliés qui. Enfin, j'en ai quelques-uns, on va dire peut-être 2 ou 3. Mais la plupart rushent. Et à chaque fois, c'est marrant. Parce que comme par hasard, quand j'affronte des ennemis, enfin. La plupart campent. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que c'est logique ou pas, ou c'est normal? Et me dites pas que ouais, c'est le genre PS4, hein, j'affronte des genres. Que ce soit des genres PC, PSK, Xbox One, c'est. Vous êtes tous de la sac à merde. Parce que maintenant je vous parle là, vous qui campez là. C'est moi ou ça vient de maladie? C'est comme un Call of Duty là, qui est sorti il y a plus de 15 ans. Même là, vous jouez comme des grosses salopes. Vous campez comme des grosses salopes. Alors maintenant, moi je vous dis franco, franchement vous abusez, vous êtes des sales pourritures de merde. Parce que comment on peut encore jouer comme ça en 2019? Vous vous rendez compte quoi? J'en ai connu des gens, hein, de la sac à merde. Vous êtes des sacs à merde, des sales joueurs de merde. À cause de vous, eh ben vous gâchez le jeu. Alors je veux bien comprendre, vous voulez pas perdre de ratio, mais là c'est même pas temporisé, c'est campé carrément. Alors c'est soit les mecs ils vont rester statiques, ou soit allongés, ils vont rester mode visé, ils vont attendre que le joueur il avance, ou il a un visu d'un joueur. Vous cassez pas ça, les mecs. Ils vont camper dans leur toit. Enfin, je vais pas vous faire tout un pitch, hein. Je pense, tout comme moi, si vous avez eu affaire à des campeurs dans toute votre vie dans Call of Duty, mais surtout dans ce jeu, vous aurez compris de quoi je parle, hein. Là, c'est pas, ça vient une maladie. Je comprends pas pourquoi les gens jouent comme ça. C'est abusé de voir ça. Franchement, les campeurs, vous êtes des sales pourritures de merde. Comment en 2019 on peut jouer encore comme ça? Et on me dit pas que c'est une technique pour jouer. C'est pas possible. Le mec, il est carrément allongé dans une maison et il campe. Même dans une maison, ça reste allongé. Je sais pas, vous avez un problème dans votre vie, vous êtes fait martyriser, c'est pas possible. C'est quoi votre problème? Dans le monde, dans Call of Duty, c'est fait pour rusher, c'est pas fait pour camper. À un moment donné, vous avez un gros problème. Je sais pas, mais réveillez-vous. Même dans Fortnite, ça campe pas autant. Pourtant, dans Fortnite, ça campe, hein. Même dans Fortnite, ça campe pas autant, quoi. Et encore, même dans ce jeu, ce serait plus logique de camper. Non mais je sais pas, mais bon, on va pas parler de Fortnite, mais bon, c'est pour faire un exemple. Mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous campez comme ça? Vous avez peur, vous puez la merde, vous êtes des grosses merdes. Si maintenant vous puez la merde, pourquoi vous jouez à ce jeu dans ce cas-là? Alors c'est comme, par exemple, zombie, par exemple, comme si le mode robot, maintenant tu peux te pencher carrément dans le mur, que ce soit côté gauche, le côté droit, et voilà, ces petits campeurs, ils en profitent. Alors voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, franchement ils auraient jamais dû faire ça, c'est encore pire qu'avant. Je sais pas, par exemple, tiens, dites-moi en commentaire que vous en pensez, par exemple, des fois les ennemis, on les voit pas. Ils sont carrément invisibles dans le décor, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les ennemis, on les voit pas. C'est un truc de ouf. Non mais c'est abusé, c'est abusé. Mais moi franchement, les campeurs, j'aurais honte à votre place.
Là, vous jouez salement, mais c'est pas comme ça que vous allez améliorer. Et franchement, j'aurais honte à votre place, parce que je sais pas, franchement, faut avoir un gros problème. Je trouve même plus mes mots, tellement que ça me dégoûte. Franchement, vous me dégoûtez vraiment. Franchement, vous êtes des sacs à merde. Enfin voilà, hein, je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette vidéo. Hein, c'était surtout pour vous en parler ce que je pensais. Alors, le jeu en général, il est pas mal, il est bien. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour d'hier, du moins que j'ai fait. Les clés à mort, c'est moi cheaté à comparer avant. Mais il y a aussi que j'ai un truc que je voulais parler avant, c'est les boîtes de munitions. À chaque fois qu'on va les utiliser, bah à chaque fois bah les grenades ou que ce soit les clés morts, et bah à chaque fois ça revient. Et ça, malheureusement, bah pour les campeurs, ils en profitent. Et ça, c'est ultra chiant. Des fois, les clés morts, on les voit pas, c'est abusé. C'est comme les mines, des fois tu les vois pas, ou tu les vois, c'est trop tard, t'es déjà mort, t'as pas le temps de. En fait, t'as rien pour contrer ça finalement, c'est abusé de ouf quoi. Alors, je sais pas. Bah, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Bah, voilà, c'était pour vous dire ce que j'en pensais. Alors, j'essaierai quand même de faire des vidéos, hein. Je ferai de mon mieux. N'attendez pas à du full rush, parce que malheureusement, à cause des campeurs de merde, et ben, on peut pas faire du full rush. On est obligé de temporiser, malheureusement, hein. Ça dépend, des fois, il y a des games, ça va encore. Mais attendez pas, vous, des full rush, hein. Enfin, voilà. C'était pour vous prévenir. Hein. J'essaie quand même de faire des vidéos, mais je vous promets rien. Enfin bon, voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. Hein. J'espère que ça vous aura plu de m'entendre. Enfin, voilà quoi. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Hein. Voilà quoi. Et puis moi, je vais vous laisser. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être ce sera un gameplay d'ailleurs au sniper. Moi, si j'ai de la chance, ce sera un beau gameplay. Là, n'est pas gagné. En tout cas, voilà, je vais vous laisser. Et je vous dis une prochaine vidéo. Ciao, ciao.